Salut. Bien, salut. Ouais, tout le temps, moi, tout le temps. Bah, raison. C'est ma maison ici. Hein. Bah, avant tout, je voulais faire découvrir ça à ma grande fille, qui est une supportrice de l'OGC Nice. Surtout que mon joueur préféré, c'est Thuram, ça me fait vraiment plaisir. Bah, d'abord parce que c'est le début de ma retraite, donc j'en profite, je viens les voir. Ouais, bah c'est pas mal, franchement, même si les résultats ils sont pas là, avec le jeu qu'on fournit, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué aussi bien ou que c'était pas aussi prometteur, donc malgré les résultats, ça fait plaisir quand même. Je me souviens de la première mi-temps contre Lille, j'ai trouvé qu'on avait mieux joué sur ces 45 minutes-là que sur la plupart des matchs de la saison dernière, donc déjà ça c'est positif. Dimanche, vous serez là, on sera toujours là, on est abonnés tous les deux en Populaire Sud. La tradition familiale se poursuit, il y a ma mère qui a presque 80 ans qui est abonnée. Voilà, le fils, la petite fille, tout le monde est là. Mais je bouge pas. Issa, Issa. Vous avez un score peut-être? Oui. Combien? 41. Ça fait beaucoup là, non? Salut à tous, merci d'être venus. Maintenant, on vous attend. Maître. Salut à tous les fans, merci d'être venus à l'entraînement. Maintenant, on vous attend dimanche à la Lance Rivera pour nous soutenir. Ciao. On est à l'hôpital Lanval avec Bad et on vient voir les enfants, voilà, leur donner un peu de bonheur. Voilà, c'est l'idée. Hein. Du coup, on va leur donner un peu de sourire et c'est bien. Regarde bien. Tu peux descendre un peu. Voilà. Là, 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 là. J'ai vu. Attends. Ouais, tu peux pas trop. Tu peux pas. Tu fais ça. Yes. Non, mais il y a un truc. Avec la coupe de cheveux, on est pas mal. Non, c'est voilà. Je suis pas d'accord. Je l'ai fait tellement mal. T'inquiète pas. Tiens, je t'en donne un aussi à toi. C'est mignon. De rien. Les aiglons. Allez, ciao, au revoir, on est Nice. Ciao, ciao. Le principe, c'est d'essayer d'imaginer comment la ville et le club, en fait, c'est quasiment l'même entité. Comment on devient une fois, comment on est habité par Nice. Maintenant, on a appris à connaître la ville, bien la ville. On a appris des histoires qu'on ne connaissait pas avant. Aussi, on a appris des jeux qui s'appellent le Pilou. Filmez, filmez. Et la Moura. Les valeurs du club, l'histoire, ça nous a donné envie d'encore plus mouiller le maillot. C'est pas nous qui portons le maillot, c'est le maillot qui nous porte. Et ce que j'ai préféré le plus, c'est là. Ouais, c'était là. C'était pour monter. Ah, vous avez fait quoi, l'escalier? On les a comptés. Ouais, il y en a combien? 214. Lisa. Oui. Ouais. On va gagner ou pas? Oui. 20-0. Encore.
quelqu'un qui aurait certainement pu paraître dans le film de... On a beaucoup d'anecdotes du vestiaire qu'ont apporté les anciens joueurs, Olivier Januzzi, Patrick Bouzikesi, des joueurs avec qui il a joué à Nîmes aussi, et surtout le coach Séraphin qui a raconté des anecdotes de vestiaire qui sortaient pas à l'époque. Il avait la chemise ouverte, un torse nu, il avait une allure de gaucho argentin. Et il inspirait surtout du respect. C'était quelqu'un de très très attachant, Georges. Quelqu'un d'imprévisible sur le terrain comme en dehors dans la vie, quoi. Bah nous, moi je me rappelle de lui, on était gamins. Hein. Moi j'avais, quand il jouait, j'avais 13 ans. Donc c'est vraiment à l'époque où on adorait le football et on se prenait tous pour Jorge Dominguez. Il a un surnom aussi, hein, c'est ça? El Potrito. Voilà. El Potrito, ça veut dire le petit cheval fou, c'est ça? Voilà, le petit cheval fou. Bravo. Tu l'aimes, Papi Jorge, hein? Oui. De tout ton cœur? Je t'aime, Papi Jorge. En vrai, un match, ça va batailler. Il va y avoir. De la confrontation, ça va être physique. J'ai grandi à Nice jusqu'à mes 18 ans et j'habite en Australie avec ma copine qui est australienne juste là depuis 4 ans. Et là, on est en vacances à Nice depuis dimanche. We've been getting up at 4:00 in the morning to watch them play from Australia, so it's really exciting to be here in person. Mesdames, Messieurs, la rencontre de ce soir est dédiée à la mémoire de Monsieur Jean Rossetti, président historique des Mutuelles du Soleil, qui fut pendant de nombreuses saisons le sponsor fidèle du gym. On a également une pensée pour Louis, fidèle amoureux du gym, qui avait rencontré Georgette, l'amour de sa vie, au Stade du Rail en 52. Alors nous avons tous une pensée pour toute la famille Barbagli. Ce soir, la famille de Georgette est présente pour recevoir ce trophée tant mérité quand je pense à El Potro. But de Georgette Dominguez! Ça faisait ça, mesdames, messieurs, et à Nice, personne n'oubliera jamais El Potro. Pour Georgette, l'OGC Nice, c'est sa vie. C'est où il a créé sa famille, où il a évolué en tant que sportif. Son corps, ils sont rouges et noirs, c'est sa vie, il a tout donné, il a tout transpiré. Transpiré le maillot pour ses couleurs et pour ce club. Et il aime la ville, il aime Nice, il est niçois. Ça nous touche énormément, tout ce que le club fait, le président, tout le staff, toute l'équipe de communication, toute la brigade sud en général, tous les ultras en général. On remercie énormément et c'est surtout Georges Duciel qui vous remercie pour tout ce que vous faites pour lui. On vous remercie pour tous et Nissan, Nissan surtout, hein. Nissan, Nissan surtout. Et merci, Nissan, Nissan.
Tactiquement, je pense qu'on est bien, on est solide aussi quand on défend tous ensemble. Donc, on n'a pas subi beaucoup d'occasions. Donc, je pense que c'est vraiment la phase offensive, pardon, qui nous pêche un peu. Ouais, ça fait depuis deux matchs ici, ils sont remplis le stade, on est content, ils nous poussent, ils sont derrière nous, on le sent. C'était avant de partir en Angleterre et M c'est bon. Ben, en fait, je crois que c'est un peu ça. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi en bas. Mais bon, ouais. Ça va, ça va. Bon, t'as vu, on a été gentil, on t'a ramené le temps de ben, test. C'est pour ça, franchement, je suis pas du tout dépaysé là, tout est ok. Voilà. On va faire 2-3 pauses un peu énervé. Un des premiers recruteurs qui m'a fait venir ici, hein, tu vois. Donc ça m'a fait drôle de le voir. Ouais. 3, 2, 1, action. Ça va? Là j'ai repris le 15 parce que c'est la date de ma mère, donc d'anniversaire. On a été en sélection ensemble. Ouais, ouais. Parce que Jérémy, depuis qu'il est arrivé, à chaque ouais. Tous les joueurs, il les connaît en fait depuis le début. Franchement, c'est une soirée inoubliable. En plus, il y a la victoire au bout, donc que rêver de mieux, je sais pas. Et franchement, c'est une grande fierté ouais, ce soir. Nice, c'est une ville à part. Ça, tu le ressens dès la première fois que tu poses le pied ici. Et franchement, ça te marque pour le reste de ton existence. Tu as beau parcourir le monde, si ton cœur est devenu rouge et noir, il le restera toujours. C'est pour ça que je suis fier et honoré aujourd'hui. L'histoire reprend son cours. Je suis de retour à la maison.